Hey, salut tout le monde, c'est Révi. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel opening. On est toujours sur la phase Halloween. La dernière fois on a eu la curse, hein. On a rien eu de bon, je pense, hein. C'est ce qui en ressort plus ou moins de vos commentaires. Donc ce qui va se passer cette fois-ci, on va brûler le reste de nos points FIFA. J'ai fait Gold 2 seulement sur la saison, vous voyez, la saison solo, là, le mode solo, on a compris, hein, tu vois. Mais j'avais pas commencé le début de la semaine, donc j'ai une excuse. Donc j'ai eu quand même quelques openings, là, j'ai, vous voyez, quelques packs à ouvrir. Mais moi, dans un premier temps, je vais commencer avec ceux-là, parce que ceux-là, ils finissent en quelques minutes. Ils finissent en quelques minutes, si vous regardez bien. Donc voilà, hein, dans 12 minutes, ils terminent. Je sais pas si c'est limité à la semaine ou autre, mais je sais que c'est y a que les deux jours. À chaque fois, c'est le dimanche et le lundi que je les vois. À chaque fois, je me dis, ouais, faut que tu bailles ça, Révi. Et voilà, donc je bug. Voilà, je suis un pigeon, les gars, Donc là, ce qu'on va faire, on va utiliser les points FIFA. D'ailleurs, je me suis fait plus ou moins ban de temps parce que j'aime bien utiliser les transferts. Me faire un peu de blé et améliorer ma team. Donc là, on va acheter. Est-ce qu'on va choper du lourd? Déjà là, la PlayStation est lente. J'aime pas ça. Moi, il reste plus que 12 minutes. Faut que je brûle mes crédits, gros. Tu veux ma monnaie? Bah, brûle-la. Fais-toi plaisir. Hein? Ah, enfin. Est-ce qu'on va avoir un loot? Est-ce qu'on va avoir un de ces fucking loot? Et non. Voilà, tout ce temps d'attente pour rien. Pour avoir un fucking Julia DC. Je connaissais même pas ce mec là, pour vous dire à un tel point. Je ne suis tellement pas les championnats étrangers. Donc voilà. Wow, on a rien de bien atroce hors dents. Ok, on a quand même pas mal d'items. On a rien de bien en fait. Mais j'étais pas censé avoir que des joueurs normalement dans mon pack. Attends, là il y a un bug là. Je pensais qu'il y avait que des joueurs dedans. La dernière fois, j'ai eu que des joueurs là, donc là c'est ça sert tellement à notre type de booster. Ok, mise à jour. J'ai peur que ça soit la boutique en fait qui plante. Et ça pue ça par contre. Il reste 10 minutes, si la boutique commence à planter maintenant, ça va pas le faire. Ça va pas le faire, les gars. Déjà, de 1, je veux tourner ma vidéo. Et de 2, je veux brûler mes crédits, les gars. Déjà qu'hier, je ne pouvais plus rien acheter. Voilà, la boutique n'est pas accessible. Donc, en fait, il y a tout le monde qui est en train de caramer ses points. Donc, voilà, on a une... Ah, voilà. Bon, nous, ce qu'on va faire, on s'en fout. On va brûler nos crédits. Donc, ouais, moi, je voulais avoir cela. 2 fois la taille d'un pack premium, or avec un extra rare, un mélange de 24 éléments dont des joueurs. Ah oui, donc la dernière fois on avait uniquement des joueurs. Cette fois-ci on n'a pas que les joueurs, c'est de ma faute les gars, je ne nie pas, révite un retard, c'est tout. Donc voilà, nous on s'en fout, on veut de ça. Allez s'il te plaît, sur moi du fucking lourd. Et non, ça sera pas maintenant. Penaranda. Putain, c'est quoi le joueur? C'est quoi cette coupe? Elle est presque digne de ma coupe de feu, quoi. Ouais, ok, Diaz. Ouais, j'ai rien de... J'ai que de la merde, en fait. J'ai que de la merde, les gars. Ce qui est cool, par contre, là, c'est les 1000 crédits. Allez, faut qu'on ait au moins un rare. Sors-moi un... Du lourd, moi, je veux du lourd. Là, c'est de la merde. Attaquant gauche, Bordeaux. Kamano, on n'aura rien eu les gars. C'est tellement pas rentable, ces joueurs là se revendent tellement pas. On vient de brûler de l'argent pour rien. Autant tout, la dernière fois on avait du loot correct. On va ouvrir ce pack. Ce pack que j'ai gagné en clash. Donc en solo là, vous voyez, le fut champion du mode solo. Encore de la merde. Encore et toujours de la merde. Ok. Maximovic, mais bon. 79, voilà, 79 comme diraient les Français. C'est de la merde. Bon, on a rien de bien. Ok, on a une carte style qui pour nous servir pour le futur. Limite, essayer de se faire un peu de blé. Mais c'est de la merde. Soyons clairs, c'est de la grosse merde. Rien que des joueurs pour créer vos équipes de rêve. Un coup de 12 joueurs. Au moins des joueurs or et 3. Hein. Bon, les gars. Je vais jouer sur ce booster. Est-ce que j'aurai vraiment de la pure merde? Ou est-ce que je vais enfin avoir de la fucking luck? Et on va looter un truc de malade. Mais là, je le sens. Bon, je l'avais dit. Non. Ah, putain. Ce
ce stress. En plus, j'ai déjà Sylvain, j'ai acheté il y a pas longtemps. Donc ça serait une revente, ça serait une revente. Mais putain, quand j'ai vu le Portugal, après quand j'ai vu le MD, là ça a chuté, tu vois. Et quand tu vois le Portugal, tu as ce stress qui rentre en toi, qui te fait espérer pour le dieu Ronaldo. Le dieu Ronaldo, dès que je l'ai, c'est fini, je revends mon jeu, c'est fini, hein. J'arrête. Déjà que, en fait, je suis sûr que même avec Ronaldo, je perds tous mes matchs, hein, mais ça c'est une autre histoire, les gars, c'est une autre histoire. Donc voilà, comme je vous l'ai dit, hein. Putain, en plus j'en ai plein en double dans ceux-là. C'est pas si son cousin, tu vois, Da Silva, Silva, on se comprend. Je vais de mode nerd, je sais. Les gars, j'espère que ça vous aura plu. On aura eu encore la curse, hein. On aura eu la curse, ça n'aura pas été rentable du tout. Si ça vous tente que je fasse un draft, un de ces quatre, pour voir mon niveau de merde, dites-le en commentaire. Moi, je serais bien tenté par un petit draft. J'aurais rien eu sur cet event Halloween, vraiment rien eu. Enfin, moi, rien de très intéressant, parce que voilà, le Da Silva, si j'avais su, eh ben, je ne l'aurais pas acheté. J'ai tellement de blé dans tout ça pour rien avoir au final. Donc, comme quoi, FIFA, c'est pas forcément un pay to win. Hein. Ça, c'est, voilà, il faut de la luck. Il faut de la luck pour tout ça. Ça va être en vente directement. Mais, voilà quoi. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne fin de journée. N'hésitez pas à liker et laisser un commentaire et me dire si oui ou non vous voulez du draft ou autre chose dans le genre. Parce que oui, j'arrête pas de regarder mon retour comme un retard parce que j'aime vous garder et me regarder en même temps. Allez, sur ce, bye bye.